Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un nouveau mode Sonic Adventure. Non, Sonic Generation Mode. Un nouveau mode qui s'intitule Abata. Voilà, un mode Abata qui est repris d'un DLC en fait. Je crois que c'est le DLC qu'on a dans Sonic Unleashed. Voilà, on a les quelques niveaux du DLC venant d'Abata, voilà. Un DLC Sonic Unleashed sur PS3 et 360. Mais c'est sur Wii, il n'y avait pas de DLC. Aïe. Les pauvres qui avaient la Wii, bah, fuck. Enfin, moi, quoi. J'avais que la version Wii, comme toujours. Enfin, bref. On va essayer de trouver le nouveau, l'acte 1. Il doit être quelque part. Non, celle-là c'est l'acte 2. Il y a deux actes 2, c'est quoi cette blague? Non, c'était peut-être acte 3 avant. Voilà, ce vieux bug. Bon, bah, on est mort direct. Mais voilà, ils ont quand même fait un menu comme ça. Alors, de base, il n'y a pas de menu comme ça. Hein, c'est. Dans Sonic Unleashed. Ok. Bon, déjà, je sais pas où est l'acte 1. Il faut le trouver ensemble. Bon. Tant pis si on y passe 30 minutes. Je pense que c'est là-bas. Si on saute dans l'anneau là. On sait pas ce que c'est. On va dire que c'est l'acte 1. Alors acte 2, bon ouais, c'est bon. Ça me saoule. Et c'est parti là. Bon, les, ces niveaux-là, par contre, on voit que c'est quand même d'un niveau en dessous. Même si c'est bah, les niveaux originaux, je pense, hein, du DLC. Fichtre. Bon, je pense que le mode a planté. Ce mode plante très souvent, hein, par contre. Donc, ça m'étonne pas trop qu'on va se retrouver tout de suite après. Et voilà, le mode s'est mis à marcher. Qu'on est parti pour une phase de course épique. Sachant que je connais pas trop ce mode, je l'ai pas fait en entier. Et je crois que j'ai pas fait ce niveau. Voilà, c'est une petite découverte alors. Donc c'est parfait. Ah non, j'ai pas fait ce niveau. Hein. Elle a l'air assez stylée. Mais on voit bien quand même que c'est un niveau venant de... Venant du jeu de base. Merde. Merde. Parce que c'est... bah c'est plus maîtrisé. Mais d'un côté, je... J'aime moins quand même ces niveaux-là. Même s'ils sont plus maîtrisés, c'est... Ils sont un peu dirigistes, quoi. Enfin, même si là, je viens de me faire tuer, mais... Après, évidemment, la caméra suit mieux. Même si là, elle fait un peu n'importe quoi. Mais on voit quand même que il y a moins de bugs tout ça. Voire pas du tout. Ah, parce qu'en fait c'est. Je pense, je sais pas comment ils ont fait, mais si je pense. Ils ont importé le fichier ISO du jeu de base. Sur, soit sur PS3, soit sur. Oui 360. Donc il est chaud ce niveau en fait. Mais si, j'ai vu quelques niveaux du DLC et ils sont assez chauds. Et ouais, c'est... Je pense qu'ils ont importé juste le fichier ISO. Je pense que ça peut être si compliqué que ça à faire, quoi. Contrairement au mode que je vous ai montré auparavant. Putain. Quel mode sur Sonic Adventure? Oh là là! Et quel talent! Et puis ils ont mis ça, bah après ils ont amélioré les textures, je pense. Mis ça en 1080p. Pour que ça en jette un peu. Voilà, victoire. Et c'est vrai que ça en jette. Ces niveaux-là sont franchement jolis. Ah bah c'était l'acte 5, voilà. Un des derniers actes.
Parce que je crois que c'est... Il y a l'acte 6 au... plus. Enfin, ils nous mettent pas au tout début. Donc un acte aussi ici. Vous avez vu aussi qu'il y avait Amy ou... voilà. Là, je crois qu'il y a un vieux troll. Ah non. Ça montre pas le vieux troll. Des fois, ça montre un vieux troll où il y a Shadow qui donne un coup de pied sur Silver. Un coup de pied à Silver. Ça fait un espèce de bug. Ou aussi le troll avec Dr. Eggman qui se prend son vaisseau en pleine gueule. En tombant de son vaisseau, il se prend après son vaisseau quand il est sur son siège, assis sur son siège en train de tomber. Voilà, c'est assez WTF comme ça, mais... Je sais pas si on va tomber un jour sur cette vidéo, tiens. J'ai cette vidéo depuis que bah, voilà, j'ai installé les mods. Elle apparaît même... Elle apparaît même maintenant dans le jeu d'origine, cette vidéo. Quand ils nous demandent un tuto, et que si on répond oui, bah, ça va mettre cette vidéo. Merde. Putain. C'est pas possible. Je fais n'importe quoi. Concentration, là. Voilà, parfait. On n'a pas de blessure, c'est bon. On peut s'en remettre. Voilà, le truc, c'est dans les niveaux DLC, il faut quand même avoir une grande vigilance. C'est quand même très rapide. Faut pas avoir deux de tension. Voilà, en plus, il y a des plateformes qui tombent, là. Ah, purée. Bon, par contre, les niveaux sont vraiment courts. C'est des mini-niveaux, quoi. Des mini-niveaux assez chauds, mais des mini-niveaux, quand même. Ce qui sera sympa, c'est qu'ils fassent tous les DLC hein, de Sonic Generation. Peut-être qu'un jour, je pense que je m'achèterai un jour une PS3 pour jouer à Sonic Generation dessus. Un jour. En tout cas, ça m'intéresse d'acheter une PS3 parce que je veux rien que pour avoir les exclusivités. Hein. Comme God of War ou Jack and Dexter, même si ça m'a un peu refroidi quand même, Jack and Dexter, parce que j'ai fait le Jack and Dexter sur PS2 et le premier, et je trouve qu'il est assez mal vieilli quand même. Enfin, je suis pas à fond dedans, quoi. Enfin, j'ai bien aimé le début, mais après, je trouve que ça se répète un peu trop, quoi. Alors que Jack and Dexter, pourtant... Putain, je me suis viandé. Attends, on va quand même continuer comme ça. Non, j'ai pas assez de vitesse. Bon, dans Jack and Dexter, par contre, je trouve que... C'est assez... répétitif et pourtant bah, on en redemande. C'est assez étrange. Après c'est l'univers, hein. Moi je suis... J'aime quand même assez bien l'univers Jack and Daxter, mais je suis pas non plus trop fan, quoi. Jack and Daxter, je me suis planté. Ratchet et Clank. Que Jack and Daxter, moi j'aime bien cet univers par contre. Daxter qui est assez comique. Daxter, c'est l'espèce de... Je sais pas comment on appelle ça, on dirait un écureuil, mais je crois que c'est une belette ou un truc du genre. Bon, un œuf chelou comme ça. Je m'en souviens même plus. Quelle honte. Merde. Mais bon, voilà. Je pense que je vous ferai quand même un vidéo test peut-être de... Purée, monsieur Verdé. Bon, c'était la fin. Hein. Vous avez vu. Vous avez tous vu. C'est la fin. Bon, on va quand même finir. Mais je pense que je ferai quand même un vidéo test de Ratchet et Clank. Sachant qu'en plus, j'ai le deuxième aussi. Donc bon. Le premier, je l'ai pas mal torché.
Le 2, j'ai rien foutu. Merde, je fais que le début. Pour tester s'il marchait, évidemment, hein, l'occasion. Hein. Faut faire gaffe au jeu d'occasion. Faut faire gaffe. Putain. Faut pas remonter là. C'est trop chaud. Si on... Je pense que c'est possible de remonter, mais bon. C'est au poil de cul quand même. Sur. Concentration. Oh là là, mais je me suis pris les pics en pleine gueule, ça m'a rien fait, c'est un peu n'importe nawak. Putain. On va pas courir très vite. Faut jamais courir très vite dans un bâtard. Hein. En tout cas dans la version PS3 et 360. D'après ce que j'en ai vu. Et joué grâce à ce mode. Car Sonic Adventure. Sonic Adventure. Je colle à Sonic Adventure partout moi. Car Sonic Unleashed. Est comme. Sonic Generation au niveau du maniement à peu près. En tout cas sur les versions HD. Alors que sur Wii et PS2 c'est complètement différent le maniement. Mais après les notations ça veut rien dire. Je crois qu'ils ont pas vu, ils ont pas travaillé sur les notations. Ça arrive à certains modes où on fait un temps incroyable et ça nous met que B ou C. Alors que dans le niveau de base de Sonic Unleashed ça nous mettrait S. Est-ce qu'on a fait... Merde. Est-ce qu'on a fait l'acte 2? Je m'en souviens déjà plus. J'en sais rien, on va voir. Oh putain, non, ne me dites pas que ça plante encore. C'est pas possible! Il y a un autre mode qui plante autant aussi. C'est le mode... de Sonic 2006, Sonic 2006 Project, qui plante très souvent aussi. En plus, c'est un mode qui dure quand même 50 bonnes minutes. Hein. C'est pas rien du tout. Donc là, on va essayer, voilà, d'aller à l'acte 2, hein, essayer d'y parvenir. Et voilà, c'est bon. Donc voyons, non, on l'a pas fait. Ah voilà, c'est ce niveau-là que j'ai trouvé très moyen. Je le trouve un peu nul. Il est très répétitif, vous allez voir. On refait souvent la même face, c'est assez bizarre. Donc voilà, c'est quand même... tu te dis, pour le DLC, ouais, ils t'ont pas fait non plus des niveaux grandioses, quoi. À l'époque. C'était un peu du foutage de gueule. Bon, après, je sais pas combien il coûtait le DLC, hein. Si ça se trouve, il coûtait que 5€. Après... on n'en sait rien. Et si ça se trouve, c'est un truc gratos. Une mise à jour. Une mage. Même si ça m'étonnerait. Voilà, là on refait presque la même phase. Voilà, on remonte. Bon, tiens, on va aller en bas cette fois-ci. Voilà. Ouais, ça servira au même. Putain. Ouais non, franchement, cette phase, non, c'est... c'est vraiment moyen. Alors, on peut faire des wall jump comme d'habitude. Comme par rapport à Sonic Unleashed sur Wii, PS3, PS2 et Xbox 360. Là, Xbox 360. Bugage. Ah, donc on refait encore la même phase. C'est un peu chelou quand même. Non, attends, il y a un truc à faire, je crois. Ah non. Il n'y avait pas les anneaux avant. Il n'y avait pas ça non plus.
Bon, c'est la fin. Voilà, c'est un niveau vraiment pourri celui-là. Franchement, pourquoi je l'ai fait? Ah voilà, alors un peu de physique. Voilà, on a détruit le. Super bien foutu. Attention, c'est autant de physique dans Half-Life. Attention, Half-Life 2. Ah ça c'est pour voir ah, les records, tout ça. C'est le truc de Sonic Generation. Ah, c'est quand même assez joli. Hein. Alors en plus ils ont fait un truc avec Chip. Ah salut, c'est Homo KO alors que c'est Chip, mais bon c'est pas grave. Et parce que c'est Homo KO de base. Donc là je crois qu'on a tout fait, même si j'ai pas vu de acte 1 personnellement. Voilà le X Tornado, enfin le Tornado tout court plutôt. Assez bien modélisé. Bon, y a plus de musique là, c'est assez triste. La boucle est terminée. Putain, on se croit revenu sur PlayStation 1 là. La boucle qui se termine. Bon, cet acte là, on l'a déjà fait donc y a pas autre chose. Ben, je crois qu'il y a rien. On a tout fait. Sans que la zone est quand même petite. Parce qu'on a fait la zone avec Amy, acte 4 là. On a fait l'acte 5 qui est en haut, l'acte 3 qui est là-bas, l'acte 2. Ah, si je suis sûr, je crois. L'acte 1, par contre, l'acte 1, il n'y en a pas quoi. Il n'y a pas d'acte 1, c'est chelou. Ouais, non, bon, on va pas faire chercher plus longtemps. Il n'y a pas d'acte 1. Ah, l'acte avec Amy, ouais, c'est l'acte 4. Hein. Peut-être en montant. Et en allant à gauche. Ah, il y a peut-être quelque chose. Il y a ça, crédit. Ah, you can see more in crédit. Ah, tu peux voir plus du crédit. Mais dans le crédit, mais c'est super. Il y a le processeur, je sais pas quoi, qui ressemble à rien là. En Sonic Unleashed. Et à la caméra qui nous suit plus. Voilà. Bon voilà, ce fut la fin de ce mode Abata, hein, DLC. Voilà, alors sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et puis pour de nouveaux modes. Sonic est émerveillé par ce mode. Ça se voit. Il s'est paumé. Il n'arrive pas à trouver l'acte 1. Voilà, c'était la petite blague de nul. La petite blague à deux balles. Voilà, donc l'acte 1. Mais où est-il? Sonic va chercher toute la nuit l'acte 1. Il s'énerve. Il court à toute vitesse. Et il se noie. Voilà, ce fut la fin de Sonic. Une fin tragique pour Sonic. Qui est tout de suite revenu et fait des pas de danse maintenant. Voilà. Je crois que j'en fais trop.